Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le tutoriel du chant Douce Nuit, Sainte Nuit. C'est déjà la période de Noël, donc on va voir ici un des chants classiques de la période de Noël pour que tu puisses les jouer toi-même. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu visites sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner et d'activer les notifications. De cette manière, tu seras informé des prochaines publications et lorsque je vais publier un autre tutoriel sur un chant comme celui-ci. Je vais d'abord prendre le chant, ensuite nous allons faire la leçon. Donc le chant, il se joue simplement en tonalité de Do majeur. Donc, en théorie, on ne joue qu'avec les notes blanches. Mais dans cette réharmonisation, tu vas voir qu'à certains moments, j'utilise des notes noires et d'autres accords qui ne sont pas forcément dans la gamme. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, lorsqu'on travaille des chants comme celui-ci, ces chants qui ont un peu une mélodie très, très... très très soutenu. Ce qu'il faut bien commencer à faire, c'est à prendre les notes de la mélodie, ensuite poser les accords dessus, et après lorsqu'on a posé des accords sur les notes de la mélodie, on peut voir les accords de passage et les accords de substitution. Donc pour cette leçon, on va faire des substitutions basiques, et après je vais donner une leçon sur le gospel aussi, et qui va te donner des substitutions vraiment très très poussées. Donc là, on va commencer par les trucs très très basiques, des substitutions de basse, et qui vont t'aider à enrichir le chant. Donc déjà la mélodie. J'ai fait une leçon sur comment identifier les notes de la mélodie. Tu peux aller regarder cette leçon pour trouver les notes. Donc, tu le fais là à l'instant, mais on va le faire ensemble. Donc, première note, ça commence par une note de sol, la quinte. Donc, ça fait ça. La, 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 la. Donc ça fait. Dans cette partie, ça fait exactement la même chose qu'au début. Pareil. Ça le fait deux fois. Ensuite, donc maintenant, si quand tu as fini les notes de ta mélodie et que tu veux prendre les accords, donc première note c'était ça. Donc maintenant, on va harmoniser notre mélodie avec les accords de basse. Premier accord, note fond accord fondamental Do majeur, Do mi sol. Donc tu vois, Do. Et là, on va jouer avec la mélodie. Donc si tu es très à l'aise au début, tu prends une note. Sinon, en fait, tu prends deux notes. Donc soit une note, soit deux notes. Et ça, c'est le premier accord. La, 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 la. Et à la main gauche, je prends juste Do et Sol. Note fondamentale et quinte. Donc là, je fais. Chaque note, en fait, peut être harmonisée par un accord. Donc je peux faire. Pardon. Je fais juste. Donc soit je joue avec deux notes, ce qui fait un accord à deux notes, une dyade. Soit je joue avec juste une note. Une fois, deux fois. Donc ici on est sur notre quinte qui va être sol majeur.
Et après, on revient sur notre accord fondamental. Donc, on avait Sol. Ensuite, Do, un renversement. Ensuite, on passe à cette note qu'on va harmoniser avec notre quatre Fa majeur, Fa la Do, qu'on va jouer ainsi. Renversement, Do, Fa la. Ensuite, notre accord encore de base comme au début. Pareil, Fa. Pareil, Do. Ensuite, pareil, encore Sol. Donc, en fait, là, on a Sol majeur. Et cette note, on va l'harmoniser aussi sur Sol, ce qui va nous donner un Sol 7. On est toujours sur Sol. Ensuite, Do en renversement. Et après, on peut harmoniser par la 6, la mineur. Donc, on le refait. Tu vois, la mi la arpège. Ensuite, on revient sur notre note fondamentale qui va ensuite aller sur la quinte avant de revenir sur notre note fondamentale. Là, on avait bien Do, Sol. Do. Là, je fais juste une arpège pour avoir une neuvième. Ensuite, Fa. Do. La mineur, Do, ensuite Sol, donc à partir d'ici on a nos accords de base. Maintenant, ce qu'on va rajouter par la suite, on va commencer par rajouter certains accords de substitution. Donc j'ai fait une leçon sur les accords de substitution pour donner les substitutions basiques qui vont de majeur vers mineur. Et très souvent on rôle inversement. Mais là sur ces hymnes là on va plus faire majeur mineur que mineur majeur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à certains endroits on va remplacer des accords par leur relatif mineur. Pardon. Qu'est-ce que c'est la relative mineure? C'est la note qu'on obtient à partir de notre accord avec un demi-ton vers la gauche. Un ton et demi vers la gauche. Donc si tu as Do, tu comptes un demi-ton, un ton, un ton et demi, tu as La, qui est la sixte en fait. Donc c'est la relative mineure de Do qui va être La mineure. Et donc souvent on va substituer notre Do à La mineure septième. Dans la main gauche tu joues La, dans la main droite tu fais Do. Donc on pourrait faire par exemple ça. Tu peux faire ça à cet endroit si tu restes sur Do, c'est comme tu veux. Ou alors, ce que tu peux faire aussi en plus, tu peux faire un enrichissement de ton accord avec un majeur septième. Comme ça. Do majeur septième. Donc, je joue Do et je complète juste avec Mi à droite. Donc, on a vu qu'un accord majeur septième, tu gardes la note fondamentale et tu prends la tierce. Tu peux faire un des deux, donc tu choisis. Donc déjà pour cette partie tu fais un enrichissement de cette manière pour juste ne pas toujours faire Do. Par exemple là, si j'harmonise en mineur, ensuite on avait, c'est un Sol ou du moins un Sol septième. Et ici on va faire quelque chose qu'on fait très souvent, on va précéder notre quinte par sa seconde. Donc avant d'arriver à Sol, je vais d'abord faire Ré mineur. Ah, c'est déjà mieux. Et je peux même faire Sol 7 pour rester sur le même jeu de notes. Parce que là, je suis à Ré mineur. Donc, j'ai une note de Fa qui est là. Et j'ai une note de Ré. Donc, si je veux passer un accord sans trop de variation, pour que la variation soit plus souple, je peux garder cette note de Fa ici. Donc, je fais
et je fais ça. Tu vois? Donc je fais. Là, c'est un sol 7. Et ensuite, justement, au lieu de revenir sur ma note fondamentale, je viens à la sixte. Que je peux ramener après sur la tierce. Qui est mi mineur. Ou alors vers la quinte qui est sol. Donc je peux faire. Pardon. Ça. Vers sol. Ou vers mi mineur. Donc je ferai. Tu choisis. Donc soit tu coupes directement par sol et tu fais un passage ici en mi mineur do sur mi qui va devenir un fa ou tu coupes directement par mi mineur. Va devenir un fa. Tu choisis. Donc moi très souvent je vais faire le passage par sol avant de couper à do sur mi. Donc je fais. Dans l'état à fa. Donc là j'avais fa. Et je revenais. Donc ce que je vais faire ici, je vais harmoniser. Dans cet accord-ci, plutôt que de rester sur le même accord deux fois, je vais l'harmoniser la première fois par la tierce. Et la deuxième fois par la sixte. Tu vois? Tierce. Sixte. Donc fa, mi mineur, la mineur, on le refait, donc là ça fait déjà une variation, je peux faire quelque chose encore de plus intéressant, c'est que là je fais 4, et après je viens sur 3, 6, mais il y a une progression qu'on a déjà vu, qui est la progression 4, 5, 3, 6. Cinq, trois, six. Donc je peux faire la même chose ici. Je fais quatre, cinq, que je fais cinq à la main gauche sur un. Donc je garde bien mon accord. Trois, six, on le refait. Et là, à la main gauche même, je peux, si je veux aussi harmoniser ça de façon nuancée, je peux faire un sol 7. Alors, on a déjà pas mal. Et ensuite, la deuxième partie. Je fais la même chose, je commence par la seconde. Sol 7. Et ensuite là je peux prendre la mineur directement à la sixte. Et ensuite la sixte sur la quinte. Tu vois, je fais 6. 6 sur 5. Donc je garde 6, mais à la main droite, je fais juste 5. Avant de revenir à 1. 5. Donc je peux faire 5. Je peux rester là. Ou alors je fais, plutôt que de faire 1, 5, 1, je fais une progression 2, 5, 1. Donc avant 5, j'introduis ma seconde. Seconde. Donc je vais harmoniser cette note sur Ré. Tu vois? Donc si je rejoue tout le chant, ça fait.
la fin, je peux même harmoniser différemment. Parce que je fais... Non. Je fais ça. Donc je fais... Je peux revenir à 6. Ça reboucle. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un j'aime et de partager aussi cette leçon autour de toi pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Salut.